Bonjour, alors aujourd'hui pour le conseil anti-stress, de quoi vais-je te parler? Bien tout simplement de parler, d'utiliser la parole comme moyen de libérer ce qui te tracasse. En fait, la plupart du temps, nous gardons en nous ce qui nous inquiète, ce qui nous stresse, au lieu de le partager avec quelqu'un. Alors bien sûr, tu peux décider de le partager avec quelqu'un, mais plutôt quelqu'un de confiance, avec qui tu sais que cela ne sera pas divulgué, et surtout qui sera d'une grande écoute. Car il est primordial que dans cet échange, dans cette recherche relationnelle pour te libérer d'un poids émotionnel, qu'il soit personnel ou professionnel, eh bien, il faut que cette personne sache écouter. Et tu peux aussi fixer tes règles avant cet échange. Tu peux lui demander, j'aimerais bien avoir ton avis, c'est-à-dire que tu recherches un conseil, ou bien alors, je voudrais juste que tu m'écoutes, juste ce que tu entends, que tu entendes, ce que j'ai à dire, ce que je pense par rapport à ça, pour déjà désamorcer cette inquiétude, et tu verras que la parole a un effet libérateur. Surtout quand elle est accueillie avec bienveillance. À bientôt!